Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 9 de la série sur Primal Fear et aujourd'hui on va faire tous les origines, oui, parce que quand on aura fait tout ça, on va pouvoir passer au tiers supérieur et on va déménager. Alors on va déménager mais vous allez voir, pas forcément à cet épisode là, mais en tout cas on commence, c'est les prémices et vous verrez la base très prochainement. On l'a fait dans le ciel, donc je vous spoil pas, vous verrez tout ça. Je vous souhaite un bon épisode. Si vous voulez rejoindre le serveur, c'est dans la description. Vous avez le Discord avec toutes les informations qui sont sur Discord, la liste des mods, etc. Donc c'est sur Discord, on est à la saison 1. La saison 2 qui sort dans à peu près un mois, je pense. Et voilà, il y a des nouveautés qui arrivent aussi avec d'autres mods. N'hésitez pas à venir voir, il y a pas mal de choses. Bonne vidéo à vous. Oh. Aka, tu sais où je vais aller? Dans la Fireweaver. Oh putain, c'est pas con ça. Chez les griffons à Kalash. Ah ouais, spawn de griffons, mon gars. Entre tous les je vais dans la Fireweaver, ma con. Ah, mais je vais tout seul. Je vais me faire. Non, problème. J'arrive. Viens, on va au même endroit tous les quatre parce que oh. Sinon on va se faire tomber. Oh, attends, j'ai un Captain Boulder. On va où? Fireweaver. Allez, Fireweaver. On avait pas un TP là-bas? Bah, vous avez pas mis un TP? Je sais pas. Volcan. Je sais pas. Mais c'est pas volcan. Ouais, si. Venez à la base. TP-vous la base. J'envoie un TP vers. Bah, je suis TP volcan. Ah oui, c'est pas le bon endroit. C'est où volcan? C'est à l'intérieur. Qu'est-ce oui, non, mais c'est quoi le R qui amène au bon endroit? C'est quoi l'île? Ah, c'est la truc hard de Balnheim ou je sais pas quoi à droite. Dans ah oui. Même, bah, venez, j'ai lancé. Oh, j'ai fait bien fait tout. La base. Oups. Pardon. Qu'est-ce qu'elle fait la dame là? J'ai mis ce qui va pas y être pris. C'est Akash qui va pas être dedans. Akash! Oui. C'est chaud. Ouais. Oh, où j'ai été dismount. Ouais, et bah, ouais. J'ai crash. C'est le mien celui-là. Je sais pas, par rapport à ça, vas-y. De toute façon, on en a pas à lui. Hop là, let's go. Pour y rentrer par là, tu penses? Oui, il y a un tout d'XP. Je sais pas, je vais faire le tour, moi, je crois. Oh, il y a une origine Wyvern au-dessus de ma tête, là. Oulala. Ah, ça, c'est relou, par contre. Vous êtes parti par où, là? Vous avez réussi à rentrer? Non, toujours le endroit. Bah, venez, hein. Ben, tu es tombé. Ouais, l'origine Wyvern, merde. Ok. Vous la tapez. Il y en a deux, hein. Tapez au pied. Tapez à vos pieds. Tombez au fond de la faille. Hein. Faites pop à vos pieds. Vous avez des potions, quand même. La potion, ça ne suffit pas. Je suis tombé, en fait, elles m'ont fait tomber. Ah. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Est-ce que tu peux y arriver? Des potions. 40 potions. D'en prendre. Hop, petite potion. Mams. Je suis avec qui là? T'es où Mams toi? Je suis là où on a. Là pareil. On est un peu plus loin si tu veux venir. Je suis entouré. Je peux pas. Ah non, t'es avec moi en fait. C'est avec Alex, je n'étais pas là. Ouais, je suis là. Ok, il tient le coup, le Tourny. Je suis en contrôle C, ça passe. L'origine ouais, Wyvern. Oui, très très bien, mon Dorni. Elle va mourir. Il y a la Spirit Wyvern, attention. T'as pris Balmer quoi? La vache. La Spirit Wyvern fait très très mal. Je vais instant dead. C'est quoi cette merde? Oh là là, je vais mourir. J'ai deux origines Blood par contre sur moi. Ah, ça me vient ça. Ah, on a quand même le temps d'en tuer. Moi, j'ose plus bouger. Ouais, j'ai deux origines Blood aussi. Ouais. Ah, je vais pas assez vite. Oh putain, je vais clairement pas assez vite. Oui, mais du coup, y'a que moi qui aura le tribut. Ah ouais, mais c'est où? Au pire, fais un TP base et re-TP là-bas sur Lost Location. Ok. Ouais, et nous on arrive. Vous voulez venir faire le fight? Oui. Allez, go. Pourquoi il lance pas de projectile, mon Tourny?
T'es mort là avec ton Apex Phoenix toi? Ça y est, je suis. Pas de jeu. Prête. Cryo des cryolos s'il bug. Ok, il va venir sur nous. Il nous a pris en chasse, je crois. Oh là là, bien joué. Ah oui? Faudrait ramener contre la falaise. Ouais. En vrai, on va le laisser vous d'abord. Je crois qu'il m'en en attaque. Moi, je vais juste me barrer. Qu'est-ce qui va se passer? Sinon, tu l'emmènes vers nous. Bah, autant qu'il soit sur vous, hein, parce que de toute façon, sinon, c'est ouais. Trop chiant. Il touche pas là, ça y est. Mais c'est en bas des couilles de vous, hein. Il veut mon cul, hein. C'est un coup sur deux, hein, les tornis là. Ouais, faut que vous veniez vers nous. Ah bah voilà. Oui, t'as repris un aggro. Oh! Oh, pile au moment où il est mort. What? Oh, j'ai tellement lagué. What the fuck? Ah, oui. Ça se passe bien? Oui. Oh, va. Oh, ah! Sur moi. On loot des trucs, nous ou... Des orbes. Non, des... N'importe quoi. Oh, oh, il m'a bien. Oh la vache. Ah bah, je suis en bord de map. Ok, d'accord. Merci. Incroyable. Ah, il m'a envoyé très bien. Tu sais le problème? C'est plaisir. Ah, parce que dessus, on a encore un sacré paquet. Il y a du blood à récupérer là aussi. Je crois que j'ai trouvé un chemin. Je mange des trucs. Ah oh oui, j'ai trouvé un chemin. Je mange des trucs dans le dehors là. J'arrive en fait. Ah, il y a des sacs aussi à récupérer là. Je vais venir en. Oh, c'est tellement buggé cette zone. Quel enfer. Oh, ok, c'est parti, on y va. Vas-y, vas-y, je te suis. Ah, je te suis, t'inquiète. Je vais mourir. Oh, c'est quoi qui vous a tué? J'étais en cooldown sur la potion. Ah non. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est qu'on n'a pas d'œufs célestiaux. Ouais. Non, faut aller en tamer. Donc faut aller tamer les célestiales femelles. Ouais. Il faut qu'on sorte des tornis. Au moins 4 chacun, je pense, vu le nombre qu'il y a. Oui, après, on est limité, donc tu peux en sortir autant que tu veux. Je vais en sortir 4. Hein. Ils sont gros pour des bébés. Tu mets la tête des parents là-bas. C'est des gros bébés. Tu peux te sortir un Apex Phoenix si tu veux aussi. Oh. Bah, le truc, c'est que le Tormi peut faire trop de dégâts des fois. Genre pour un loot boss, tu vois, les premières phases, il faudra les faire à mon avis. Ah, Phoenix, parce que sinon tu vas juste le one shot en fait. Je vois. Et j'ai pas changé le. Avec on a. Ah oui. Je vais mettre No Wonder avec mon pseudo. Je peux le configurer en effet. Ok. Bon bah let's go. On a beaucoup de trucs d'origine. Et bien tu peux taper origine botte, dans la recherche et crafter une invocation de choc. Ouais. Bah, c'est où cette petite botte là? Bah vas-y, Mams. Une de chaque en fait. Ouais, même si on l'a déjà fait, on va la faire. C'est pas là. Une de chaque. On est allé farmer pour fin de journée. On a croisé quelques artefacts. Il y avait 6 artefacts. Ouais, il y avait 6 artefacts. C'est là, c'est là. Bien. Et là. Mets là dans ta vie. Et on a 18 flèches. Oui. On va se mettre bien. Et là, on va en refaire beaucoup. Faut-il encore un passage qu'on doit tamer maintenant? Où est-ce qu'on se s'il met reste des choses à tamer. Origines pour un espace à peu près plat. Ouais. Si on veut pas faire de cage parce qu'on a la flemme et qu'on verra plus tard pour les cages. On a grave la flemme, hein. Vraiment. Après, on peut se mettre en bas, là-bas. Là-bas, c'est juste nettoyer la zone en dessous, hein. On enlève les arbres. Et puis... Oh, on peut se mettre dans une grotte, hein. Mais ils sont pas dégagés. Juste à gauche, là, il y a un canyon, il y a un petit creux. Ouais, là-bas. Ouais. En face. Tu sais que c'est bien une grotte comme ça, tous les volants au moins ils s'envolent pas à l'autre bout du monde. Hein. Ils vont pas s'envoler, ils nous auront en aggro. Oui.
Ouais, mais ils prennent pas l'éthique alors que là ils prendront tous les tics de femme. Bien sûr que si, ils prennent l'éthique. Y'a pas une grotte là-dedans hein? Je crois. Niveau grotte, à part celle. Avec le cristal là à l'entrée. Oh, y'en a une là! Bah venez là! Elle est merveilleuse cette cave! Pour faire les boss. Là. Oh, il est relou avec sa cave. Viens voir la cave. C'est. On va faire les boss. C'est derrière la cascade, au niveau de la hauteur. Ou alors, non. C'était bien tenté, mais. Y'en a un deuxième qui va essayer, tiens. Mais moi je suis trop forte en vrai. Depuis qu'on a fait l'ouverture. Et réussi. Oui. Regarde-moi cette petite caverne. Si je ne tombe pas. Par contre, il nous faut de la hauteur pour qu'il puisse pop. Hein. Oui. Il y en a pas assez là. Je suis pas sûr. J'ai un hauteur. On va essayer. Mais à Carnot, en premier, on a déjà fait. Attends. Alors, Carnot. Sors ton peut-être que je monte sur mon dino, moi. peut-être que je monte sur mon dino. Ouais. Ils vont faire tellement de dégâts vu qu'ils sont imprint. Là, ça fait un bordel là-dedans. Ouais. Mais c'est un petit sac de couchage, moi. Mais. Petit sac de couchage ici, là. Hop. Et puis. Ah, un Fjordok. Il me gênait. 11 500 de dégâts. Là, actuellement, si tu montes max niveau, t'es à 14 360. D'après ? Ouais. Carnot. Oh putain, il a spawn devant. Oh ! C'est parti. Et me pousse. Et ben. Allez, viens là. Il va me dégâts. Oh lui. Bah voilà. Allez hop, ça dégage. Quelqu'un loot le sac. Ça c'est fait. 7 levels. Ouais, c'était pas fou. C'était pas. 7 levels. Bah du coup, je vais me mettre là pour invoquer le dino vu qu'il a un... il s'invoque en face de moi. T'as venu derrière moi là. Quelqu'un a pris le sac. Nope. Il est derrière moi. Tornik a looté les items. Normalement, il est là le sac. Alors, on a eu quoi? Un arc compo ascendant. On s'en fout, prends les flaques origines, les éléments, les balles. Ouais. Quelqu'un a un torse origine? Non. Non, moi c'est les jambes, les têtes et les mains qui me manquent. Ok. Et un j'ai petit un torse en robe. Non, deux levels, il y a des... ça fait grave. J'ai un torse à 4700 si vous voulez. Vous venez, on se met en ligne ici ou quoi? Let's go! J'arrive. T'as envie de bien faire caca? Sur le côté. Ah, donc faut que je vise en face. C'est le temps. Et ensuite je fais E et voilà il pop ici. Ah ouais alors c'est moi. Tu vas pousser de toute façon ce con. Oh les dégâts. Je te vois pas. J'ai pris aucune potion donc on va dire que ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. Boum. T'as fait gaffe. Qu'est-ce qui nous manquait? En engramme. Le shield. Mais bon le shield. Ah mais j'ai même pas activé mon power. Vous l'avez eu? Ouais, faut prendre le sac. Je sais pas. Je vois pas. Faut reculer peut-être. Quelqu'un a un loot? Non. 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 Non mais je crois qu'il y a forcément un sac. Non. Si j'ai loot pardon. Ah c'est toi qui as loot? Ouais. Ok, t'as besoin des gants? Ouais mais vas-y prends-les si tu veux, t'inquiète. J'en prends. On a l'autre à d'autres de toute façon. Ouais, t'avais pas de pantalon aussi, je crois, non? Non, t'en as. Prends-le sinon, si t'as pas. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai. Tiens, Mams, cadeau. Je sais pas ce que tu peux en faire, mais. Ouais, je suis désolé. J'ai des costumes de merde là. Ouais, non. Voilà, c'est bon pour moi. C'est bon. T'as peut-être un meilleur pantalon, je crois. Non, j'ai pris un alpha. Allez, go, go, go. Très bien, qu'est-ce que je fais? Spino. Oh, il est go. C'est bon. Allez, oh, il perd tellement vite, c'est incroyable. Ah, 4 c'est pas mal. Terminé.
Et c'est moi qui ai loot. Toujours pas les dédicaces. Les bottes. J'ai des pantalons. Quelqu'un a besoin d'un pantalon? Oui. S'il est jaune, sinon vas-y, passe-le à Rams. Moi, c'est que de l'origine, de toute façon, le système déjà fait qu'on loot. Ouais, de toute façon, il manque juste les gants et les casques. Mais si. Voilà. On va tellement looter. Allez, suivant! Suivant! Ah bah on prend tellement d'XP aussi en, au niveau c'est, du perso. Il est full XP moi, yep. Par contre, j'ai peur que les autres passent pas. Un petit bout. Alors, Kiroku. Kiroku. Moi je descends de mon dino à la fin Chez du des... J'arrive pas là. Nice. T'as réussi à descendre sans mourir? Ouais, okay. Ouais. Looté ou pas? Pas moi. Ouais. Parce que je vois que j'ai un pantalon. Moi j'ai un pantalon et un torse capé. Non, pantalon capé mais pas le torse. Non. J'ai un pantalon et un torse pour ceux qui veulent. Je sais pas. Moi c'est pas. Il manque juste la tête. J'ai un pantalon 2000 moi. C'est un 2400. D'accord. Ouais, 2500 mais j'ai déjà mieux. Donc, vas-y. 2008. On verra après. Ouais. On verra après. Hop, suivant. Je vais activer mon power-up. C'est argent à vis, là. Tu sais que t'es pas obligé de sortir, de descendre du guidon. Ouais, c'est possible. C'est pour le plaisir du risque. Pour l'adrénaline. Ouais. Bon, ça va, il bouge pas trop en vrai. Où il est? Il est fini. Il est passé derrière moi. J'ai. Ah bah, j'ai un pantalon cap. Parfait. Pantalon capé. Hop. Merde, j'ai dit qu'on était pas obligé de descendre. Ouais, t'es toi, tu mets dans ta barre ou t'es pas direct. Et bien, c'est parti. Oui, Vern. Ah, si. Oh bah, elle est. Elle est très encore bien. Mieux. Elle est parfaite. Elle a peut-être bougé à un moment donné, mais. Ah, je sais pas qu'ils aient mis du 400 000, mais c'est incroyable. C'est bien, je crois. Le sac est là. Et un pantalon capé. Pantalon capé, qui veut. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 4533 pour le pantalon. Ouais, c'est gourmand, toi. T'as quoi, toi? Okay. Tiens, je te mets dans ton truc. Bah prends pour un tiens. Si tu veux, il prend. En vrai, je vais descendre sinon je le mets pas au bon endroit. Hop. Allez, viens, dis. 448 000, ouais, mes petites piques. Oh là, incroyable. Bah, je prends absolument aucun dégât aussi. Bon, après, je prends pas grand chose. Et ah. J'ai looté. Les dédits. Qu'est-ce qu'il a looté? Les dédits. Les dédits, les gars. J'ai looté un pantalon à 6500 si vous voulez. C'est qu'il a besoin d'un pantalon là. Ah bah non, moi c'est pour pas donner. Tiens. Ouais, je suis cadeau. C'est moi ou on loot que des pantalons et des torses? Ouais, bah, c'est ce qu'il y a de moi. Très peu de cas. Raptor. Il est tout petit. Il est tout petit. Il paye pas de mine, mais. Ah non, il fait pas de dégâts. Ouais, il a deux fois moins de vie que les autres, à peu près. Oh là là, les. Ah, c'était rapide. Terminé, ah. Je sais pas qui c'est qu'à loot. J'ai looté. Il y a un casque, un 6500. Mais c'est bon, il est. Très bien. Très bien, très bien. Enfin, moi, il manque casque et bottes, hein. Casque et bras, moi. En vrai, on peut tester de refaire un raptor, voir si le taux de loot est en fonction non, du dino. C'est aléatoire, des raptors j'en avais jamais tué et j'avais déjà un casque. Ah ouais. Calme-toi, mon fils. Je suis parti pour demain. Elle en a marre, elle veut déménager. Allez, on s'en va, là, ça suffit maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme plateforme, ouais? Exactement. Il y en a pas mal. On veut quoi? De l'herbe? Pincé, moi en vrai peu importe hein, c'est un peu moi je m'en fous
Moi, on peut habiter sur une fondation en pierre, ça me dérange pas. Tant qu'il y a des dédiants. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Sinon, on construit la. Après, moi, je suis pareil que toi, je suis un joueur PVP, alors je t'avoue. On est là, on habite dans une maison en bois que ça me dérange. En même en tâche, hein. On finit l'aventure en tâche. Je vais crafter des dédits, voilà. Vas-y. Dédits S plus 100. Voilà. Oh, c'est le minimum. Ouais. Je vais tester la. J'ai testé celle-là, parce qu'en vrai, de toute façon, ça va, ça coûte pas très cher. Elle est peut-être un peu grande, j'avais pas. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est un tube. Ah, c'est une sous-marine. My bad. Ça doit être trop beau. C'est mais pour faire mes repos de tuyaux. J'ai crafté une sous-marine en large. Je crois que je vais la crafter en small. Mais on verra ça après. Mais pour faire mes repos de tuyaux, c'est ce qu'il faut. Après, on s'est emmerdé à faire une breed map, fallait juste mettre ce mode-là sur la breed map, en fait. Sinon, attends. C'est vrai, ça. Tu sais qu'il y a celle où t'as pas besoin de générateur, hein. Ouais, mais on s'en fout, un génie ça couvre tout. Bah, je crois que c'est ça. Là. Un génie ça couvre tout, ça alimente tout, ça consomme un élément. Ah, oui, c'est une générateur. Mmh. C'est une générateur, c'est pas. Mais elle consomme quoi? Je sais pas. Je sais pas, rien. Ah, bon, attends, on peut changer le four. Regarde, je vais mettre en tech, je vais mettre en stone, je vais mettre en sand, je vais mettre en rock. En ice, je trouve ça trop bien. Oh, ça pète les yeux en ice. C'est bon. Hexagon. Bah, là, oui, si on veut mourir, on peut mettre ça. Pète les yeux. En scène, comme ça on se croit à la plage. Non, franchement pas. Oh, j'ai une idée. Il a réussi? Bah, faut la démolir. Ah, ah mais tu l'as démoli, j'avais une autre idée à Kalash. Ouais, bah, ça va. C'était quoi l'autre idée? Mais en une si tu veux, vas-y, t'as des ressources. Elle coûte combien la générateur? Elle coûte 150 éléments. Ok. Moi, je vais en déposer 250 que j'ai récupéré sur les boss déjà. 250, d'accord. Allez-y, reposez-en une, je vais essayer. Ah bah non, mais là, non. Exomec. Ah, Exomec, ça a marché par contre. C'est quoi ça? Attends, je t'en. Ah, je l'avais jamais vu en action. Small, là, bah oui, moi aussi. Tiens, cadeau. C'est excellent. Voilà. Bien sûr que ça pick up ça. Mais non. Alors Vanilla, est-ce que c'est parce qu'il y a de mieux? Moi je pense hein. Est-ce que le jeu en officiel est-ce que, en fait, est-ce que vous voyez cet awesome TP là? Oh. Moi je peux pas le prendre. Je peux déplacer ce flag? Mais non, excellent. Hop là. Oh j'ai dit. Ah l'awesome TP ça veut pas. C'est l'exomec de Gen 2, ouais. Je vais déplacer ce transmetteur. Oh là là, c'est trop bien. Manque plus qu'il soit automatique, surtout. Ouais. Oh. Mais je connaissais pas. Tu peux pas dépasser la base complète d'un coup? Non. Par contre, je peux essayer de déplacer la plateforme. Est-ce que vous pouvez crayon les tarnis, s'il vous plaît? Et récupérer les légumes. Alors, je peux faire ça. Vas-y. Je vais prendre les légumes là-dedans. Hein. Je non, je peux pas la prendre. Je peux pas la pick-up. Oublié, ça sert à rien. Bon, parfait. Bon, bah, attends. De toute façon, faut tout virer, hein, donc on va déménager. Donc, let's go. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va déménager dans le prochain. Donc, on se retrouve dimanche pour l'épisode 10. Nouvelle base et on va commencer à faire les boss. On arrive vers la fin du mode entre guillemets puisqu'on arrive sur tous les boss tiers et vous verrez c'est surtout du farming avec quelques petites techniques. Il faut voir comment on fait la cage des boss parce que c'est pas toujours possible et il y aura quelques fails aussi parce que c'est pas forcément très simple même avec les tornis. Vous verrez ça. Merci de suivre la série, je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode et de retour de vacances, je vais reprendre le rythme classique et on va reprendre les streams très prochainement. Je vous annoncerai quand est-ce que je fais un vrai retour en live avec la webcam, ça fait très longtemps et voilà, je vous tiendrai informé de tout ça. Les nouveautés chez Yenix, il y en a tout le temps, sur le PVE il va y en avoir très prochainement pour la rentrée et sur le PVP également. Bisous et à bientôt. Salut.